Ni Danis, ni Gousis, j'aimerais vous raconter votre histoire. Vous venez d'une grande famille de voyageurs, à commencer par votre arrière-grand-père. Il a marché 14 jours pour aller chercher votre arrière-grand-mère et la ramener avec lui dans son territoire de chasse. L'un des plus beaux moments que j'ai vécu avec mon père, et pour vous dire, mon père a été un héros pour moi. Il a changé ma vie. Un jour, quand j'étais enfant, mon père cherchait désespérément une voiture pour pouvoir me ramener à ma famille d'accueil à Val-d'Or. Mais personne ne pouvait. Alors il a pris son bicycle. Moi, les mains sur les guidons et assis sur la barre, il a pédalé jusqu'en ville. Il n'a jamais lâché, même dans les deux grosses côtes. J'entendais son essoufflement et je lui demandais s'il voulait que je prenne la relève. Il m'a dit, « Je vais être capable de te ramener, ma fille. » Je le trouvais tellement fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout est possible et que le bicycle est fait pour voyager. Avant votre naissance, votre maman a été se promener très loin avec son bicycle. Elle a rencontré les Ojibwés de l'Ontario, les Ojibwés du Manitoba, les Ojibwés, les Cris de la Saskatchewan et les Cris de l'Alberta et d'autres nations de la Colombie-Britannique. Durant ce périple, j'ai travaillé ma confiance, mon courage et ma persévérance. Je réalisais un de mes plus grands rêves et je voulais propager l'espoir dans nos communautés autochtones. Ce que je voudrais pour vous est que vous preniez connaissance de la grandeur de notre mère, la Terre, et de lui offrir toujours notre respect et notre soutien. Et je vous demande aussi de faire confiance à la vie, et de ne jamais oublier d'où on vient, un peuple nomade, et vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Shit, I washed in the psychic end.